Je n'ai pas eu besoin d'aller voir un chirurgien pour qu'on m'extrait cette boule qui poussait sous mon cou, bien que mon médecin personnel ait cru que, à défaut de mieux, il fallait absolument que je vienne à me faire opérer. Mais je ne voulais pas de cette éventualité. Et j'ai dit, j'ai même dit à Papa Florio, que mon médecin préféré, mon chirurgien préféré est là-haut. On apprend le Seigneur. Il m'extraira cette boule en temps opportun. Et effectivement, Papa Florio m'a rassuré à plusieurs reprises. Je n'y croyais peut-être pas par moment, mais finalement, j'ai fini par y croire. La boule a disparu et on a pleuré. Il a dit, Papa Florio, je souffrais d'autres maux. Et oui, il a fallu. J'étais atteint de partout. J'avais aussi, parallèlement, les pieds qui s'enflaient. Les pieds qui s'enflaient, je ne pouvais pas me chausser. Et par moments, il y a eu même des déchirures au niveau des pieds. J'ai soumis la question à Papa Florio. Et la prière a commencé. Il m'a demandé de s'astreindre au régime divin, qui est à la fois de s'acheter le sang du Christ, de prendre des purges. Moi qui me purgeais difficilement, j'ai dû le faire. Du coup, les résultats sont probants, pour ne pas être trop lent. Les résultats sont probants. Les enflures ont disparu.